Et on vous rappelle qu'on est en direct des studios Ford et que c'est présenté par le Ford Bronco Sport 2021, la gang construit pour conquérir. On reçoit maintenant l'ancien du Canadien, des Rangers, des Islanders, de l'Avalanche, des P.A. Paranto. Salut, P.A. Commence fort. Il est chien, j'aurais jamais dit ça devant toi. Je m'assume, je sais que je me suis promené pas mal. Ça va, Max? Ça va bien, les boys, merci de me recevoir. Là, je suis fier de toi. Là. On parlait de ton foyer aujourd'hui qui était beau, mais là, t'as même mis une petite bûche dedans. Là. J'ai mis une bûche juste pour toi, Max. Ah, c'est bon, c'est bien fait. Non, mais Max, c'est pour ça que j'ai pris mon temps avec Marie-Ève, parce que PA, il m'écrivait, je suis pas capable de partir le feu, c'est pour ça que j'ai ralenti. Hey, pauvre gars. Je m'achète des fausses bûches, je me complique pas la vie. Ah ouais, hein? Ah, oui. Le dur à flamme. Mais merci à toi de venir, je pense que... Premièrement, tu as des histoires intéressantes, mais aussi tu as un parcours intéressant, tu as un bagage intéressant qui est le fun. Puis Max le disait en ouverture quand on a fait ta bio, tu n'as pas juste joué dans la Ligue nationale. Tu as bûché en tabarouette pour te rendre là. Puis je pense que ça, c'est un beau côté de ton histoire qu'il faut parler. Parle-nous un peu de ces années-là, justement. T'sais, je pense que c'est 450 games dans la AHL, 490 dans la Ligue nationale. Ça fait du hockey pas mal. Là. Si je peux ajouter à ça, PA, moi, je veux que tu nous expliques comme step by step. Tu sais, t'es un joueur étoile dans la Ligue nationale de hockey, mais normalement, ces gars-là ne jouent même pas dans la Ligue américaine. T'sais. Puis toi, tu as joué plus de 400 matchs. Il y a eu un déclic qui s'est fait. Qu'est-ce qui est arrivé, t'sais, le parcours? Là, c'est... Il y a un déclic qui s'est fait, c'est sûr, mais j'ai quand même mangé mon pain noir. Là, tu l'as dit, 450 games dans la Ligue américaine. J'ai apprécié mon parcours. C'était vraiment... J'ai eu du fun along the way, là, comme on dit, c'était cool, mais c'est sûr qu'il y a des périodes où j'étais prêt à passer à d'autres choses, d'aller en Europe peut-être à 20, 24, 25, 26 ans, mais j'étais dans l'organisation des Rangers avec les Wolfpack de Hartford, puis je connaissais des super bonnes saisons, puis moi, je savais que j'étais prêt, j'attendais juste ma chance, mais ce qui me retardait un petit peu dans ces années-là, c'était avec les Rangers, il y avait Jagr, Straka, Shanahan, Gaborik. Pour moi, c'était. Puis Tortorella, il m'aimait bien, le coach, dans ce temps-là, mais il me disait tout le temps, j'ai pas de place pour toi. Reste avec nous, continue à faire ce que tu fais en bas. Puis il me payait bien aussi, il me donnait des one-way pour jouer en bas. Ils m'ont donné ça pendant 2 ans de temps. Wow. Fait que ça m'empêchait d'aller en Europe aussi. J'ai été patient, j'ai continué à faire ce que je faisais en bas. Puis je croyais en mes capacités aussi, mais. Ça a été tout un chemin parce que j'ai joué 2 années à Cincinnati. C'était une période de transition. Là. J'ai vraiment eu de la misère à transitionner ma game de la Ligue junior majeure du Québec à ma pro game. Ça m'a pris 2-3 ans, je te dirais. Là. Je pense que j'ai réalisé que j'étais un peu soft. Il fallait que je travaille un peu sur ma grit. Ben, c'est ça, quand tu parles de transition pour les gens, tu sais, dans nous autres, on connaît la game, on l'a joué, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? C'était quoi le changement? Ben, tu sais, dans le junior, j'avais pas besoin de grid. J'avais pas besoin de travailler à chaque soir. J'avais pas besoin de forechecker, backchecker, tu sais. Puis j'ai appris ça sur le tas. J'ai ajouté des choses à mon app. J'ai ajouté des choses à ma game. J'ai appris qu'est-ce que ça prenait. Mais ça m'a pris beaucoup de temps aussi, tu sais. Puis là, je te parlais de timing à Hartford un peu plus tard. J'étais prêt, mais j'ai pas eu ma chance. Donc, j'ai dû être patient un peu plus. Mais ça m'a pris au moins 2, 3, 4 ans avant de pouvoir dire que même moi, je croyais en moi-même d'être capable de jouer national. Fait que ça a été un parcours difficile, mais ça a été le fun aussi. T'sais, j'ai appris beaucoup. Je me suis tellement fait de chum. J'ai joué dans les places tellement bizarres comme Cincinnati. T'as joué 2 games à Augusta, man. Ouais, j'étais à Portland. Il a joué moins 12, Green Jacket. Non, mais sérieux, 2 games pour les Lynx d'Augusta. Mais non, mais ça, mais ça, j'ai une petite anecdote, je vais la rentrer tout de suite, ça va être fait. OK. Je jouais à Portland, Maine. On avait une assise d'équipe de hockey, pour vrai. Là. On avait Dustin Penner, on avait Perry Getzlaf, Joel Perrault. On avait, Perry Getzlaf était juste venu de temps en temps, puis ils sont venus pour les playoffs, mais quand même, là, Shane O'Brien. Je pense que la moitié de l'équipe a joué avec National. Je te mens pas. Puis, ça arrive jamais, ça. Là. On avait tout un club. Mais on avait aussi tout un club en dehors de la glace. Puis je me souviens, un soir, on était tous sortis Portland. Puis Portland, Maine, là, c'est tellement... c'est des bikers, c'est des gangs de rue. C'est crotté. Là, c'est pas une place que faut que tu sortes. Puis nous autres,
on sortait pareil. On avait du fun, on avait une belle gang. Un soir, on est sortis. Puis je pense qu'on était 3-4 boys, je dois toujours m'en souvenir. Puis je pense qu'on a parlé aux mauvaises filles dans le bar. Puis on s'est fait attendre dans la rue après, par une gang de rue. Ben non. On s'est fait jumper 4 gars. Je me souviens de rien. je me suis brisé mon orbital bone ici. Ben voyons donc. Hein, je t'ai dit. Puis alors, peut-être un discours. On était 3 gars, on a couché à l'hôpital. Je me souviens, mon roommate, c'était Joël Perrault. Hein? Oh, ouais. Puis il est arrivé le lendemain, il y avait une commotion, fait qu'il était parti chez eux se ressourcer. Fait qu'il était revenu. Là, j'étais sorti de l'hôpital. Puis là, il m'avait vu, mais il n'avait pas vu mon deuxième côté de face. Dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de cellulaire. Il y avait des cellulaires, mais tu sais, je n'y avais pas dit encore. Là, je me reviens d'abord, puis j'avais comme une deuxième face, tu sais. Ah ouais. Mais vous avez mangé de voler comment, mettons, à coup de poing? Non, j'ai jamais vu, je me suis même pas battu, là. J'étais arrivé, je sais même pas si c'est arrivé, je te dis, à ce jour-là. Fait que là, je me brise ça, fait que là, je suis out pour 2 semaines. Là, j'ai une full cage. Là, Kevin Denin, qui est mon coach à Portland dans le temps, je m'entendais super bien avec. Mais il me dit, P.A., il dit, je viens de parler à Brian Burke en haut, puis on pense que tu devrais aller jouer une coupe de game cette semaine à Augusta, vu qu'on... dans la East Coast, vu qu'on joue pas de la semaine, on joue pas dans 10 jours, tu sais. Fait que je suis comme, ma première réaction, c'était comme, non. non. Finalement, je suis allé, ça a été bon, un petit 2 games à Augusta. Ça m'a fait réaliser comment chanceux que j'étais de pas être dans East Coast. mon week-end, là, mon gars, là, j'appréciais ma vie, là. Ouais, fait que je suis revenu, puis c'est ça, puis... Pour revenir à mon... C'est une anecdote, là, mais pour revenir à mon parcours, je me suis sorti de cette histoire-là comme faux. J'ai joué qu'une full face 2 mois, pareil. T'as raconté quoi au monde? Tu disais quoi au monde? Non, on disait la vérité. Qu'est-ce que t'as dit la vérité? Ouais, on s'est littéralement fait jumper. Là, on s'est même pas battu. Là, c'était comme... L'équipe a porté plainte à la police, je m'en souviens, mais en même temps, ils étaient pas fiers de nous autres non plus. Ouais, ça aussi, ça a peut-être retardé un peu mon développement. En tout cas, ça, c'est pour un autre histoire. C'est un 50 games, ça. Ça, c'est un 50 ouais, games. Ça m'a donné peut-être une autre année dans les NHL. Ouais, alors ça, c'était toute une histoire pour vrai. Puis, ouais, fait que là, j'ai surmonté cette épreuve-là, Portland. Là, après ça, je suis allé jouer une demi-saison à Norfolk, en Virginie, parce que là, j'étais déjà étiqueté gars de la AHL. Fait que là, Norfolk voulait gagner le championnat. Fait qu'ils sont venus me chercher en tant qu'un vrai AHLer là, que j'étais. Là, pis, ben, je mettais beaucoup de bons chiffres et tout. Je vois là, on n'a pas réussi à gagner. On avait toute une équipe, là, Martin Saint-Pierre, Bochensky, Troy Brower, Corey Crawford. C'était le club école des Blackhawks. Mais j'ai quand même mis mon premier 5 games dans la NHL là, parce que je jouais vraiment bien. Puis Denis Savard m'avait donné un break. C'était le coach dans ce temps-là. Il m'avait donné 5 games, mais 5 games au bout du banc. Même pas de chag, là. Sérieux? Donc là, je retourne en bas. J'étais un peu déçu. Je me suis dit, ça va-tu vraiment être ça, mon look? T'sais? Sérieux? Tu niaises, là? Chris, ça va quelque chose, là? Il a fallu que j'attende d'un autre 3 ans, mes 3 années à Hartford après, avant d'avoir un 30 games pour finir l'année avec Tortorella. Gaborik s'avait blessé. Puis, moi, je viens de revenir d'une commotion. Puis, Tortorella dit « OK, c'est ta chance. Viens-t'en. C'est là ou jamais. » Puis, j'avais fini l'année avec les Rangers. J'avais joué 30 games. J'avais pas produit autant que j'aurais aimé, mais je me suis quand même fait un nom. Tu sais, je jouais ces 3 premières lignes, power play. Ah ouais. J'avais scoré une coupe de goals. J'avais scoré mon premier but de la Ligue nationale avec les Rangers. Fait que l'année d'après, j'étais comme « OK, là, c'est là ou jamais. J'avais 27 ans, pareil. » Tu sais. C'est quand même... Ça se voit plus vraiment. Là. Je te dirais que le dernier... Là, je peux penser c'est peut-être Marchessault qui a percé un peu tard, tu sais. Ouais. Puis des histoires comme ça, c'est assez rare, pareil. Tu sais, j'ai vraiment persévéré. J'ai pris ma retraite à 26. Ouais, je le sais. J'allais t'en parler tantôt. Ouais, pas de suite. Je vais pas broyer de suite. Hey, c'était sur sa liste de questions, Guy. C'était sur ma liste de questions. Non, fait que... Là, j'ai joué 30 games avec les Rangers pour finir l'année. Ça a super bien été. Tortorella m'aimait beaucoup. Il m'a dit « On aimerait ça te re-signer. » Lui puis Jim Schoenfeld, c'était l'assistant GM, mais il m'a dit « J'ai un problème. » Il dit « Glenn Sater, il pense pas que tu es un joueur de la Ligue nationale. Il trouve que tu es pourri. » C'est assez direct. Oh, pas de problème. Tort, c'était direct. Là. Et c'était incroyable, ce gars-là. Man. C'est un bonhomme de hockey. Il est tellement intelligent, là, honnêtement. Là, puis il sait exactement quoi dire à ses joueurs. Il est un peu fou, ses bords, là, mais tu sais,
c'est un brain, là, je te le dis. Là. C'est un des meilleurs coachs que j'ai eu avec Babcock. Là, je te dirais que c'est deux gars vraiment similaires. Puis, là, je m'en vais dans le bureau. Je m'en vais dans le bureau. Après, tu sais, c'est les meetings de fin d'année. Tu sais comment ça marche? Ouais. Coach, assistant GM, le gars dans le gym, puis le GM. Puis là, bye-bye. Tu sais. Puis là, le gars dans le gym, moi, je le skippais, là, je pense. Là. C'est ça. C'est comme... Fait que là, je me ramasse dans le bureau à Glenn Sater. Il me dit exactement ce que toi, tu m'as dit. Il m'a dit, garde, moi, je veux pas te re-signer. Tout le monde ici t'adore, puis je comprends pas pourquoi. Fait que là, je suis comme, tu sais, sérieux, là. Puis moi, tu sais, Glenn Sater, là, j'ai jamais été connu pour signer même de francophone, on va se le dire aussi. Fait que j'étais OK, c'est correct. Je prends ma pilule, je m'envoie chez nous à Montréal. Je me dis, j'aimerais ça re-signer là, mais tu sais, c'est toujours la même histoire. Je me fais couper le dernier au camp, puis je m'en vais à Hartford. Ah. Là, je suis tanné, tu sais. Et là, avec la fin de saison que j'avais eue, mon agent qui était Alan Walsh à l'époque, il m'a dit écoute, P.A., là, il y a des équipes intéressées. T'sais, il y avait Phoenix, il y avait les Islanders. Fait que là, moi, dans ma tête, je suis comme ouh, Phoenix. Ouais, soleil, golf. Là, mon agent, il me remet à ma place assez vite. Il m'a dit hey, le grand, là, fuck le golf, fuck le soleil. Là, c'est pas l'octet, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis comme OK, qu'est-ce que tu penses? Ben, moi, je pense à Islanders, là. Moi, je pense qu'ils n'ont pas de club, puis tu penses que tu pourrais percer le top 9 pour toute l'année, tu sais. T'as faire un nom, c'est le temps, c'est là. Puis il m'avait fait un offre, mais la même offre que les Rangers, puis Phoenix, puis j'ai pris ça, puis c'était la meilleure décision de ma vie, là. Puis je remercie mon agent ce jour de m'avoir bien guidé vers cette direction-là aussi, là. Parce que quand je suis arrivé avec les Islanders, tout de suite, j'ai pas pris ma place tout de suite, par exemple, parce que Scott Gorton était le coach, puis lui, il me voyait pas dans sa soupe trop. Il y avait déjà ses gars, tu sais. Mais heureusement, il a perdu sa job au début novembre. Puis, c'est Jack Capuano qui est arrivé. Puis lui, il coachait à Bridgeport. Puis c'était un rival de Hartford des mineurs. Fait que lui, il m'avait vu jouer pendant 4 ans les mineurs. Puis, il savait ce que je pouvais faire. Ouais, la connexion, un petit la connexion était là parce que... Un petit gars de la Rive-Sud puis la Coupe Longueuil, ça allait bien ensemble. C'était parfait, tu sais. On a connecté tout de suite, hein, je te dis. Là. Moi, j'ai toujours aimé, je l'appelais Uncle Cappy. Là, ah ouais? On était le même. C'est sûr, en plus. C'est sûr, en plus. Ah, et puis, tout de suite, là, il a pogné un job en mi-novembre, puis moi, j'étais sa quatrième ligne tout le temps. Ben, tu sais, un gars comme moi, je ne peux pas me faire valoir. Là, Max, non, si je ne suis pas un poor-checker, je n'ai jamais frappé de ma vie, aussi, puis je bat-check de temps en temps. Je ne peux pas vraiment... Je ne peux pas vraiment me faire valoir sa quatrième ligne. Fait Cappy, il m'a donné le chandail blanc. Le chandail blanc, c'est le chandail de la première ligne. C'était avec Tavares et Molson. Ça, c'est dans son bureau ou dans son bureau. Dans son bureau, là, il me rencontre. Ça fait 24 heures qu'il est là, il me rencontre. Il dit P.A., je te donne 15 games. Wow. Montre-moi ce que tu peux faire. Hein? Ouais. Avec Tavares et Molson, t'as 15 games. Là. Il dit je te menace pas, je te mets pas de pression, je te donne 15 games, fais qu'est-ce que tu veux avec. Je te change pas, mais je suis mal. Ben, wow. C'était tellement une belle approche parce que tu sens tellement pas la pression de performer à chaque. Tu sais, t'as pas le gun, ça attend. Comment tu? 15 games, il n'y a pas grand monde qui ont ça. Là. Non. Mais je pense qu'il croyait vraiment en moi aussi. Ouais. Je pense que ça, c'était cool. Puis comme de fait, ben. Ça a super bien été. Là, j'ai connecté. Moi et Johnny, on était déjà un peu de chum avec Molson. On a vu une connexion. On est devenu des amis en dehors de la glace. On s'est mis à bien jouer ensemble. On performait. C'était... Ouais, mais on a ramené l'équipe à 500. Ça allait mal à Long Island. Là, mais ça m'intrigue. Ça m'intrigue, PA, parce que le coach, là, c'est un gros moment dans ta carrière. Là, tu as bûché comme un assis. Ouais. Ben, ça s'appelle du timing. Puis finalement, avoir son break. Là. Ouais, mais il te donne le chandail. Quand tu sors du bureau, tu fais quoi? Tu vas-tu voir Tavares puis tu non. dis là? Non. Peux-tu dire que j'étais prêt à entendre l'arnaque pour la pratique le lendemain? Ouais, hein? Parce que je savais que c'était mon break, là. Je savais que c'était là, tu sais. Puis j'étais comme, non, puis je connaissais mes capacités, mais j'avais jamais joué avec un gars de cette trempe-là. J'avais jamais joué avec, tu sais, puis j'étais quand même passeur, le Molson, je peux le feeder aussi, tu sais. C'était le perfect match, là. Puis je me suis mis à ramasser des points, moi, ça arrêtait pas, là, au début, là. J'étais comme, OK, là c'est ça que c'est, tu sais. J'ai eu mon break, je me suis fait mon nom là, puis ça a été super le fun. Là. J'ai joué ma première saison, l'équipe avait vraiment de la misère, mais notre ligne a connu du succès. La deuxième saison, ça a été beaucoup mieux pour l'équipe. Là. On était respectable, puis je pense que j'ai fait 70 points cette année-là. Ouais, c'était 70 points dans la Ligue nationale, là, c'est pas rien, là. Ah, puis, tu sais, c'est sûr que j'ai toujours du monde qui m'écœure un peu, qui me disent, ah, oh, c'est à cause de Tavares et tout. Je prends ça avec un grain de sel, mais tu sais, je sais que je connais mes...
je sais ce que j'ai accompli, puis c'était vraiment cool aussi. Puis j'ai eu la chance de. Après ça, ben moi, je voulais re-signer là, mais les Islanders, ils voulaient pas me payer. Mais okay, c'était pas en tout les mêmes contrats qui étaient offerts ailleurs. Puis moi, c'était ma chance aussi de signer mon seul unique gros contrat. C'était encore Capuano, le coach, puis tout? Ouais. Ah, Capuano, tout l'été, il voulait me garder, il m'appelait, puis tout. Mais tu sais, ça matchait pas, là. Penses-tu d'une situation même, le montant, c'est pas le montant que tu aurais dû avoir à cause du passé ou à cause oui, du... Oui. Un manque de confiance. Je suis convaincu à ce jour que, vu que ça m'a tellement pris du temps à monter, que Gard Snow, à l'époque, ne pouvait pas justifier me payer ce que je valais. Puis, tu sais, ça a été correct aussi. Là, on est parti en bon terme. J'ai signé à Colorado, puis j'ai une super bonne saison. Ma première saison-là, je jouais avec Matt Duchesne, qui était vraiment solide comme joueur. Là, il était vraiment on dans ce temps-là. Bien, après, ça a été un peu plus compliqué là, quand Patrick Roy est arrivé, mais c'était quand même correct. Ah, c'est ce que j'aime de notre podcast, c'est là qu'on paye sur pause et on te demande c'était compliqué, pourquoi? Non, c'était correct. Là. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Patrick, pareil. Là. Il a fait un nice job pour vrai à Denver quand il est arrivé. Là. Ouais. On n'avait pas une bonne équipe. Il a gagné le coach de l'année. Il a replacé cette franchise-là où ce qu'elle devait être. Là. Mais c'est sûr que moi, je me suis blessé beaucoup cette année-là. J'étais pas non plus nécessairement. Je jouais pas du gros hockey. Ça a été un peu un 2 ans difficile pour moi après cette année-là. Denver, Denver, là, on m'a échangé aux Canadiens. J'étais pas vraiment l'ombre de moi-même pendant un bout. J'avais de la misère. J'ai fait une période creuse en dehors de la glace un petit peu aussi. Puis ça a paru dans mon jeu. Mais en même temps, je regrette rien non plus. C'était vraiment cool. Je regarde ma carrière dans NHL, ça n'a pas été super long. J'ai quand même quasiment joué 500 games, pareil, malgré le fait que je suis arrivé à 27 ans. C'est très long. Non, c'est ça. Je suis quand même fier de ce que j'ai accompli, mais c'est quand même cool mon cheminement. Puis, je veux t'entendre. Tu parles de ton. Tu as signé joueur autonome. Puis comment ça se passe? Moi, j'ai pas vécu. On a vécu des journées de joueur autonome, mais quand tu es au prime puis tu viens d'avoir deux, trois grosses saisons puis tu es vraiment au top, puis là, tu as plusieurs équipes qui t'appellent, puis là, il faut que tu choisisses. Comment que la gestion se fait de tout ça, ce choix-là? Ça doit pas être facile. Ben, comment que c'est? Moi, t'as dit tout de suite, c'est la plus belle journée de ta vie. Là. Je vais être bien honnête avec vous autres. Quand tu te lèves le matin, la première chose qui te vient à tête, c'est-tu tchitching? Ah, ben oui. C'est le gars de l'Auto-Québec qui vient de porter le billet. Hey, on joue pour l'amour du sport, oui, c'est vrai, là, mais cette journée-là, c'est quand même assez spécial. Surtout, tu l'aimes encore plus. Avec mon cheminement que je vous ai expliqué, je pensais jamais avoir la chance de vivre de quoi de même. Non. Mais mon 2 ans à Long Island m'a permis de finalement avoir le gros bout du bat pour une fois dans ma vie, tu sais. Je veux que tu nous fasses vivre quand tu ouvres le téléphone et tu dis oui, bonjour, Pierre. Non, mais je le savais la veille. Tu sais, dans le temps, on n'avait pas le droit de courtiser les joueurs avant que ça commence, tu sais. Mais il y avait une petite gamique qui s'avait faite. Je sais pas pourquoi, mais mon agent, il avait les chiffres sur la table déjà, puis l'équipe. c'était Colorado, puis j'adorais Colorado. Un de mes bons chums, Shane O'Brien, jouait là. Ouais. Puis j'étais comme, je l'ai appelé la veille, je m'en viens. Il dit non. Il dit not a chance. Oh, ouais. Je m'en viens. Puis là, il me dit combien qu'il paye? J'ai dit 4 for 4. Puis là, il me dit what? Mais non, mais ouais. Ça, c'est beau. T'sais, on parle souvent d'argent, puis je comprends. Non, mais puis moi, quand tu as travaillé toute ta vie. Tant que ça, c'est une journée incroyable dans ma vie. Je suis fier que c'est arrivé. T'avais qui d'autre, mettons? Puis comment tu dis? Tantôt, tu dis Islanders ou Phoenix, mon agent m'a aidé. Tu as des saisons de 70 points. Guillaume, pense à ça. Ben, Guillaume, tu serais surpris. Mon passé, qui était un gars de la AHL, il y avait des équipes qui étaient encore. Pas sûr de me donner ce que je valais, tu sais. J'ai pas eu tant d'offres que ça, là. J'avais eu Nashville, Colorado, Islanders qui étaient revenus à charge, mais pas, tu sais, c'était pas la même chose que Colorado, là. Je te dirais même que c'est la seule offre que j'avais eue à ce montant-là. Là. À ce montant-là, puis à ce temps-là. Ça a-tu changé quelque chose pour toi de côté performance, tu sais, quand t'embarques sur la glace? Non, bien au contraire, j'ai eu ma meilleure saison l'année après, c'était l'année du Lancard. Okay. Là, j'étais déçu, tu sais, j'avais mon gros contrat, j'étais prêt, j'étais motivé, je m'allais jouer avec Duchesne, puis Landeskog, tu sais, c'était déjà ça ma ligne, tu sais, je le savais en arrivant, là. Wow.
c'était cool, là, tu sais. Puis Joe Sacco, qui était le coach à l'époque, Joe Sakic, j'étais comme, OK, tu sais, Joe Sakic, il m'avait dit, viens-t'en, on va te faire. J'avais une estie de saison pour vrai, là. On avait juste joué 43 games, je pense que j'avais fait 45 points. Wow. C'est ouais. Comment on s'adapte à ces joueurs-là? T'sais, on dit souvent, mettons, Crosby, ah, c'est le joueur parfait, mais Chris, c'est pas facile à jouer avec. Tu as joué avec Tavares, qui a un style différent de McKinnon, qui a un style extrêmement différent du Shane. C'est toutes des vedettes, mais s'adapter comme joueur, Chris, c'est... Mais je pense que c'est quelque chose que j'avais, c'est un talent que j'avais, je pense, ou pas un talent, une facilité que j'avais, parce que j'ai joué avec Tavares, avec Duchesne, avec McKinnon. Mon année avec Patrick Roy, c'était, je jouais beaucoup avec McKinnon. Puis avec Taylor Hall à New Jersey. C'est la même ligne tout le temps avec ces gars-là, tu sais. Puis je pense que j'avais une certaine facilité à les comprendre sur la glace ou à être une... Je pense que j'étais un bon passeur puis un bon shooter. J'avais un peu des deux. Fait que, tu sais, j'étais quand même facile à jouer avec. C'est sûr que je grindais pas dans les coins comme Max, là, mais tu sais... Quand c'était le temps, j'étais capable d'y aller aussi, tu sais. je pense que ces joueurs-là m'appréciaient. Fait que ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière d'avoir la facilité de jouer avec des joueurs de qualité comme ça, là. Parce que c'est pas... Honnêtement, c'est pas tout le monde là, qui ont cette facilité-là. Je pense à... Des fois, je pense à ça, puis je me dis, un Pascal Dupuis, là, il complétait tellement bien Crosby, tu sais. C'est pas facile. Le plus talentueux, mais c'est pas facile, là, pour vrai. Burroughs avec les Sedin, pas... là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, parce que ce monde-là, tu sais, on va se le dire, ils ont une coche en haut. C'est comme conduire une Formule 1. Là. C'est pas tout le monde qui est capable de conduire une Formule 1. Non, même ça, si moi, ça fait 30 ans que je conduis. Non, mais c'est pas. Puis c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière pour avoir cette facilité-là. Puis ces gars-là voulaient jouer avec moi aussi. Fait que ça m'a aidé aussi. Là. C'est ton atout. Qu'est-ce que tu penses qui était ton atout, dans le fond, qui te permettait ça? C'est ta vision du jeu, ton hockey IQ? Ouais, je pense que c'est hockey IQ, vision du jeu. Je pense que ça a surtout été ça dans ma carrière qui m'a aidé beaucoup. J'étais pas le plus rapide, là. J'étais pas le plus fort. Mais je comprenais la game. Puis je pense que c'est ça qui m'a retardé aussi là, de faire la Ligue nationale avant 26-27 ans. Ouais. J'étais pas à l'œil, j'étais pas le plus vite. J'étais un choix de 9e ronde. Fait que c'est pas évident de donner un break à un gars de même là, non plus. Je comprenais tout ça, mais je me suis battu et ça a super bien été. Mais c'est fou à quel point pareil. Non, mais c'est bon. Je veux juste savoir parce qu'il était drette dedans. Là. Il était coaché par Patrick Roy. Puis là, on n'a pas le choix de te le demander. Là. Tout le monde parle de lui à Montréal. Là. Mm-hmm. Tout tu as vécu avec lui à tous les jours. Là. Comme GM, tu le verrais-tu? Pas comme GM, non. Non, hein? Non. Moi, je pense que c'est un bon coach. OK. Ouais. Tu penses qu'il aime trop l'action? Il aime trop être dedans? Ouais, ben c'est ça. Je pense. Je sais pas. C'est vraiment un bon coach, honnêtement. Là, comme, tu sais, il connaît la game. Il savait gérer un banc. Je te dirais de quoi de patte, peut-être qu'il en fait un peu trop des fois. Là, comme, il en veut un peu trop même, c'est dans sa personnalité, mais c'est un esti gars de hockey pour vrai. Là. Moi, j'ai quand même respecté, puis j'ai respecté sa carrière. Nous autres, nous trois, là, c'est direct dans nos âges, c'est toute notre idole. Là, c'était quand même spécial qu'il me coach. Là. We butt head a few times, là. Mais comme, j'ai quand même respecté, puis c'est un bonhomme de hockey, mais non. Moi, je le vois pas comme GM. Peut-être que j'ai pas raison, mais c'est mon opinion personnelle. Je le vois pas comme GM, je le verrais plus comme un coach à un moment donné. Là, puis je pense que c'est un bon coach. Il sait comment gérer un banc, il sait ce qui se passe, il connaît les joueurs, il connaît le talent. Mais personnellement. Il a été dans la chambre au Colorado, pourquoi il a pas eu sa chance une autre fois comme coach? Qu'est-ce que tu veux dire? Après Colorado? Ouais. Moi, je pense que la façon que ça a fini avec Joe Sakic. Ça a fini. Ouais. Qu'est-ce qu'ils se sont poignés? Je connais pas vraiment l'histoire. Tu viens-tu? Il était parti une semaine avant le camp. Une semaine avant le camp, il a dit. Je pense que lui voulait signer Radulov, je pense. Puis ça a quitté. Ouais, même. C'est une affaire de mort. Ah, c'est ça. Tu nous dis, il y a plein de rumeurs, on ne sait pas exactement c'est quoi, mais je pense pas que ça a bien fini. Puis je pense pas que. Dans le monde du hockey, ça a été bien vu non plus, tu sais. C'est sûr qu'il a pris un step back, il est retourné à Québec. Mais moi, je pense qu'il va revenir dans la NHL à un moment donné. Je ne peux pas dire dans quelle sorte de rôle. Mais je douterais que c'est avec le Canadien, avec les gens qui sont en place en ce moment. OK. Ouais, je suis d'accord. Okay. Je suis pas en désaccord là-dessus. Côté positif avec lui, juste demander de te faire coacher par ton idole, tu sais. On a effleuré le sujet un peu, mais c'est les critiques, comme mettons, qui te dit PA, c'était ton homme, ça vient-tu chercher plus profond parce que c'est ton idole, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, comme moi. Non, mais c'était ton. Mettons, Eddie PA, c'était ton homme sur la glace. T'as perdu ton gars dans ta zone défensive. Là, t'sais. T'as fait une erreur. C'est ton idole. Il te dit ça. Là, ça te fait un peu chier. Ou ça... Je vais mettre de Merci. Je vais mettre de court clair. Mais de court clair, c'était pas mon idole. OK. Je
mais oui, c'était quand même intimidant au début, là, tu sais. C'est quand même Patrick Roy, là, tu sais. On a tout grandi avec un poster de lui dans notre chambre, là. T'sais, c'est pas des jokes. Ça ressemble pas mal à Idol, là. Oh oui, non, je sais bien, je sais que c'est. Parce que moi, là, j'avais celle-là, puis Pamela Anderson, puis... j'avais les deux. Ah, moi aussi, en arrière de la porte. Tu voulais pas te tanner, fait que de même, c'était pas tout le temps, tu sais. Non, t'sais. Là, après, je l'ai fait coacher par Patrick Roy, je me suis dit, j'aurais dû avoir deux Pamela Anderson à la place. Pas fou. On a tout compris. Mais bon. Pas fou. Et hey, puis justement, on parle de poster, mais on va parler d'une autre. Faut pas oublier, on est dans nos nouveaux studios Ford, la gang. On est super content de ce beau partenariat-là. Tu as joué avec le Colorado, comme tu dis, tu as signé ton contrat. Tu t'es envenu à Montréal. Parle-nous de ton expérience avec le Canadien. Pour tout le monde, c'est un rêve. Pour tout le monde de mettre ce chandail-là. Comment tu as vécu ça, toi? C'est très spécial. Je me souviens quand on m'a l'annoncé. Je savais que Patrick Roy voulait m'échanger avant l'été. Il l'a fait. Puis il m'a échangé à Colorado contre Danny Brière. Puis j'étais comme OK. J'étais vraiment excité sur le coup. T'sais. C'est comme veux pas. Là. Même si tu entends toutes sortes de choses, ça va tellement être tough, la pression. Comment tu vas gérer ça? T'sais, Guillaume, tu l'avais vécu les deux, là? Comme, ouais. Vous étiez des draft picks, vous autres, t'sais. Comme vous avez quand même grandi dans l'organisation du Canadien. Puis quand tu arrives outsider de même, c'est quand même intense là, pour vrai. Là, comme pendant l'été, je me suis dit, OK, c'est bon. Là, Bird, je voulais que j'aille m'entraîner à Montréal l'été. J'étais allé, je suis en shape, puis j'étais prêt, tu sais, pour ma saison. J'étais vraiment motivé. Ça avait super bien commencé. Je pense que j'avais comme 8 points en première 10 games. Puis je jouais avec Plekanec, puis Galchenyuk. Sa deuxième ligne, ça allait bien. Puis là, à un moment donné, je jouais bien. Fait que là, Michel, il m'avait mis avec Patcher Ready, puis Dernes, sa première ligne à droite. T'sais, on avait quand même une bonne équipe. On a fini premier cette année-là. Pricey était incroyable. Il avait volé à peu près 40 games cette année-là. Je pense que c'est sa meilleure saison à vie. Puis on avait une belle gang, tu sais. C'était le fun, j'avais aimé ça, mais j'ai eu une commotion cérébrale au mois de janvier. Puis là, ça faisait. Puis avant ma commotion, ça faisait un mois et demi que je jouais vraiment pas bien. Tu sais, je t'avais dit que j'avais eu une couple de problèmes en dehors de la glace, les choses allaient un peu moins bien dans mon cas. Puis. Moi et Michel, on voyait pas la game du même œil non plus, tu sais. Je faisais mon possible. Lui aussi, tu sais, j'ai du respect pour lui. Mais c'était ça, il n'y avait aucune connexion là. Puis ça a été une année difficile un peu à cause de ça. Là, je suis revenu de ma commotion, puis je me disais, tu sais, pourquoi qu'il me donne pas mon break de retrouver ma confiance ou, tu sais, de me remettre dedans? Tu sais, il va avoir besoin de moi maintenant, là, tu sais, j'arrivais des grosses années offensives pareil, là, tu sais, comme, c'est ça. Donne-moi une chance de me faire valoir dans mon patelin, s'il te plaît, tu sais, comme, ça n'a jamais été le cas. Je pense pas qu'il m'appréciait comme joueur beaucoup. Comme j'ai dit, j'ai pas performé à la hauteur de mon talent cette année-là non plus. J'ai ma part de blanc à prendre. Mais je vais toujours me souvenir, par exemple, comme là, je jouais avec Pacioretty et Desharnais sa première ligne. C'était Pacioretty, Desharnais, puis moi, sur le board. À chaque soir, c'est ça, je revenais de ma commotion, j'essayais de me remettre dedans, tu sais. Mais. À chaque fois, il me donnait un chiffre, deux chiffres, trois chiffres. Puis là, il disait Pacioretty, Desharnais. Puis là, il attendait 3 secondes en arrière du banc. 3, 4, 5 secondes. Puis moi, puis Dale Louis, on se regardait. On était ensemble à côté du banc pour donner des coups. On donnait des coups avec nos pads en haut du banc. On était comme check bien ça. Pacioretty, Desharnais. Puis là, il disait Weeks, juste pour me faire chier, tu sais. Avec son ton. Là, j'étais comme. Ouais, c'était un vieux de la vieille, Mike. Puis c'est comme ça que c'est comme ça qu'il a appris la game, qu'il la coach, puis tout. Puis ça a été ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment tough, là, mon année avec lui. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis surtout avec mes blessures, puis je ne performais pas, je jouais pas vraiment bien. Mais avec tout ça, malgré tout, ça a été une des seules années que j'ai pas vraiment performé en chiffre dans ma carrière, je te dirais. Puis malgré tout, quel souvenir incroyable. Ben oui. Les médias, ils ont été super fins. Même si je n'ai pas performé, les médias ont été super nice avec moi. Même les fans. J'ai jamais eu de problème. On dit que la pression pour un Québécois est là. Oui, elle est là. Il n'y a aucun doute. Là, moi, je la sentais au Centre Bell dans le warm-up. T'es offensif aussi, là? Ah, c'est ça. Quand tu es un grinder, tu n'as pas besoin de te carrer. Tu n'as pas besoin de mettre des points. Mais si tu fais ta job, puis si tu comme un Steve Bégin, tu sais ce que je veux dire?
sais, si tu grinds, tu bloques des shots, tu fais ta job à chaque jour, les fans vont t'adorer. Mais tu sais, scorer un goal, faire des points dans le national, là, ça se peut que ça arrive pas des fois, tu sais. Même si ça va bien. Des même si ça va bien. C'est le meilleur hockey de ta vie. Puis... Non, c'est ça. Mais en même temps, c'est correct que ce soit comme ça. C'est ça la vie. C'est ça les attentes. C'est ça le Canadien de Montréal. C'est bien correct. Puis, j'ai quand même apprécié mon temps. T'sais, ça a été cool pour ma famille. Ça a été cool pour mon frère, mes parents. Mes amis aussi en ont profité. Là. C'était un an, mais. Un an, c'était assez. Je te dirais. Puis peut-être que si j'avais connu du succès, tu sais, j'aurais. Tu sais, Montréal, c'est tout ou rien, tu sais. Ça va moins bien, tu joues une saison ordinaire, surtout en tant que Québécois, t'es dans la merde, tu sais. Si tu connais du succès, par exemple, en tant que Québécois, tu sais, David Dernier, c'est un super bel exemple. Ah ouais. Tu sais, il a mis des chiffres, si, il a joué du gros hockey pour un gars qui n'était pas gros, là. Tu sais, puis il s'est quand même fait élever à statut de star, là. Tu sais, puis il méritait, là. Puis moi, j'aurais aimé ça pour avoir la chance de pouvoir vivre ça à Montréal, tu sais, d'avoir... c'est peut-être un regret que j'ai de ne pas avoir performé à la hauteur de ce que je pouvais faire, mais c'est ça qui est arrivé, puis j'apprécie quand même mon temps-là. J'ai mon chandail en bas, mon premier goal, puis il n'y a personne qui ne va jamais pouvoir m'enlever que je joue pour le Canadien. C'est quoi ça ressemble à quoi les discussions avec Marc Bergevin? Tu sais, on en parle beaucoup dans médias dernièrement. C'est quel style de gars, quel style de GM? Berge, il était vraiment nice. Pour vrai, là, c'est un gars qui il a le cœur à la bonne place. Là, après, son équipe, c'est important pour lui. Je l'ai vu être émotif une couple de fois dans la chambre. Puis, c'est pas fake. Il aime les boys. Ouais, il aime les boys, puis c'est vrai. Puis, je pense que c'est un couteau à deux tranchants quand t'es de même un peu. Ouais. Tu peux donner des contrats à Gallagher de ce prix-là pour ce temps-là. Ils vont payer pour ça. Là, mais c'est ça que c'est. C'est qui est Mike Bergevin? C'est un bon gars. Il reconnaît le talent. Il a pas fait de mauvais job à Montréal. Là. Il a fait des bons trades. Il mérite beaucoup de crédit. Là. Mais je pense qu'il a fait son temps. Là. Tu sais c'est quoi Montréal aussi? Là. À un moment donné, si les résultats sont pas exactement là, il va y avoir des changements. Moi, c'est un gars que j'ai apprécié. Là. Il a essayé de me parler une couple de fois pour me dire « Écoute, t'es un scoreur, qu'on continue. » Non, je l'ai beaucoup apprécié, pour vrai. Même s'il a racheté mon contrat l'été d'après, là, je le respecte pareil. Hey, ça, tantôt, on parlait du côté positif. Tu signes un contrat comme agent libre. Un rachat, ça se passe comment? Un rachat? Ben là, le Canadien m'a racheté, c'est tellement drôle. Le Canadien m'a racheté, puis là, Carl Dubus m'a appelé. C'est vraiment drôle. Comme... Il m'a appelé, il m'a dit, là, je me faisais racheter, c'est le deux tiers du contrat. Ouais. Fait que là, il m'a dit, Carl Dubus, il dit, moi, j'aimerais ça faire chier le Canadien. Puis juste là, t'as donné juste assez plus pour que t'en fasses plus avec le rachat. T'sais. Il m'a dit ça. Comme lui, tu sais, Toronto, il n'aime pas le Canadien. Il cherchait à mal, sérieux. Puis, tu sais, c'est avec mon agent, puis tout. Ils ont dit, comment t'aimerais ça faire chier le Canadien? Moi, j'aimerais. Tu sais, là, j'étais comme dans le mode, oui, là, je viens de me faire racheter. T'sais. J'ai dit, oui, je vais signer à Toronto, c'est bon. Puis, fait que je me faisais payer les deux bords. Hey, sérieux, quand tu y penses, es-tu fou pareil la nouvelle Ligue nationale? Tu reçois des pays dans la même année du Canadien et des Leafs. Je recevais les deux, j'étais comme. Je me suis dit, il n'y a pas grand monde à qui ça est arrivé, ça. Sérieux, c'est vrai pareil, c'est hot, là. C'est vraiment pareil. Mais non, comment ça a été à Toronto, l'expérience? J'ai adoré mon expérience à Toronto. C'était la première année de Babcock, on n'avait pas une bonne équipe. Là. C'était l'année où on a un peu foldé nos cartes, là, comme on dit, là, pour avoir Matthews. Là. Puis, mais c'était cool. J'ai joué avec Bozak, Van Riemsdyk, Kadri. C'était pas mal ces gars-là. Puis, j'ai scoré 20 goals. L'équipe, on a eu de la misère, évidemment. Là. On n'avait pas une super bonne équipe. On avait beaucoup de vétérans qui étaient sur leur dernier temps. On avait des jeunes qui n'étaient pas prêts, là, comme Nylander, Hyman. Ils jouaient dans la Ligue américaine, ils n'étaient pas prêts. Ils sont venus vers la fin de l'année. Mais tu dis qu'on a tanké pour Matthews, mettons, un peu, là. Tu sais, parce qu'on entend tanké. Souvent mais ça, moi, là. Moi, je l'ai vécu, là, puis moi, je me dis, le Canadien, ils sont là, là. Ah, mais je veux dire, le GM ou le coach ne rentre pas dans la chambre en disant, on perd à soir parce qu'on veut Matthews. Non. Tu comprends? Je veux dire, le monde, quand il dit ça, ça me fait rire. Au final, le GM trade des gars. Ouais, mais le GM, il n'a pas callé up Nylander puis Hyman cette année-là. Comme il aurait laissé Caulfield en bas, comprends-tu? Ils les ont gardés en bas pour pas qu'on connaisse du succès aussi, là. OK, je comprends, ouais. Je te le dis, cette année-là, ils ont fait ça, là. Puis ça fait de la merde dans la ligue, pareil, parce que tout le monde le savait, là. Tu sais?
Mais ils ont joué les odds, puis ils ont gagné. Ils ont eu Austin Matthews, puis c'était pas mal évident que c'est ça qu'ils faisaient. Ah, je commence à comprendre pourquoi ma dernière année, j'avais joué un avantage numérique à Toronto, Guy, avec toi. Peut-être c'est ça qu'il cherchait, le Canadien. Il voulait un first pick. Ah, il voulait pas faire les playoffs aussi. À chaque fois que tu es sur le power play, Max, c'est toi qui a gagné. Il y a quelque chose qui se passe. Là, je viens de comprendre avec la maturité. Il y a quelqu'un qui veut être payé le 2/3 de son salaire. C'est bon, ça. Puis là-bas, tu jouais avec qui? Tu jouais avec, je pense, Nazem Kadri, c'est ça? Ouais, Kadri, Bozak, puis Van Riemsdyk, là, c'était pas mal ma ligne. Puis vers la fin de l'année, j'ai joué avec Nylander, puis Hyman, c'était ma ligne aussi. Tabarouette, c'est fun pareil, tu sais, de dire que t'as... Puis c'est qui le joueur qui t'a impressionné le plus que t'as joué contre? Écoute, mettons, tu sais, comme... Moi, je me souviens, Jagr, dans le temps de New York. Là, ouais, mais moi, j'ai pas joué contre... Ouais, j'ai joué contre Jagr, c'est vrai. Ouais, Jagr, c'était assez impressionnant, mais je te dirais que... Kovalchuk, là, dans son prime à New Jersey, là. Ouais. Moi, j'étais avec les Rangers et les Islanders dans ce temps-là. Là. C'est vrai. J'étais comme, lui, il a un autre gear. Là. il sort d'un canon, ce gars-là. Là. Ah, et puis il joue comme Beer League à deuxième bleu un peu. Là. Il a tout le temps le flag en l'air. Merde. Il trichait, mon gars. Là. C'était incroyable. Ouais. C'est vrai, Ned. On l'oublie. Mais... Crosby, dans nos années, ça a été imbattable. Crosby, c'était un peu plus. Moi, je me souviens, avec les Islanders, on arrivait à Pittsburgh, on s'en regardait tous les gars dans la chambre, on était sur nos patins, on n'avait pas de club en plus, on était comme, wow. Oh, ah non, qu'est-ce qui va arriver à ce soir, tu sais? Combien de passes qui vont nous passer entre les patins, là, tu sais? C'est que c'est hot. Comment ça. T'as fait quand ton party des recrues? Avec les Islanders, ma première année à. C'est quoi la montagne à Calgary, là, de ski? Non, tu t'en rappelles, Pierre-Alexandre. Non, mais j'oublie le nom. À Banff? Ouais. Pas Banff? Ouais, à Banff. Oh. Ouais. Ah ouais? On était à Banff. Ouais. J'étais la seule recrue de 27 ans, mon gars. Fait qu'ils m'ont fait payer le prix. Dans l'histoire de la Ligue, je pense. Ça aurait pris un bras. Banff, mais là, c'est quoi? Vous aviez 3 jours de congé. Vous êtes parti de Calgary. Vous êtes allé à Banff. Puis... Ouais, on est allé passer 2 jours à Banff. Puis okay, tout est planifié, là. On a fait le party, c'était cool, man. C'était vraiment nice. Je me souviens, moi, j'ai tellement été. Moi, j'avais Doug Waite, là. C'était un de mes vétérans. C'est clair, ça. C'était le fun de Doug. Ah, il était incroyable. Les lames noires. Je me souviens, ma première game à Long Island. Puis, tu sais, moi, Doug Waite, là, c'était le mien. Là. Il faisait des saucer pass. C'était incroyable. Je tasse une patte. je l'adorais, Doug Waite. Pas trop vite non plus. Pas trop vite, tu sais. J'étais arrivé à l'engrenage, puis tu sais, il est devenu mon buddy tout de suite. On jouait aux cartes ensemble, on connectait, puis je le trouvais tellement cool. Puis là, je me ramasse. Une de mes premières games, alors, quand Capuano a pogné la job, là finalement, tu sais, j'étais 5-3 à ma place, en bas à droite, tu sais. Puis là, j'avais John Tavares au bord, Molson en haut, Doug Waite en haut. J'étais comme, qu'est-ce que this is amazing. T'arrêtes de m'échanger le puck avec Doug Waite, là, jusqu'à temps que je la sorte le bord à travers. C'est tellement cool. Moi, Doug Waite, je me souviens des 90s, je regardais jouer à Edmonton, j'étais comme, wow. C'était tellement spécial là, de donner chum avec ce gars-là. T'sais. Non, mais ça, moi, c'est dans les années que j'ai joué, les gars impressionnants, comme vous autres, là, des Doug Waite, Keith Tkachuk, Bobby Hollick. C'est niaiseux, là, mais c'est des gars là, qui ont. Mais ça, c'est tous les gros canons des mid-90s. Moi, c'était Témo Selanne. Ben, t'as joué avec Témo Selanne, toi? Ouais, j'ai joué avec Témo. Moi, ça faisait capoter. Non, j'ai pas joué avec Témo. Moi, j'ai été drafté par Anaheim, mais j'ai jamais joué une game dans l'organisation, mais j'ai passé 5 ans dans l'organisation des Ducks. Témo, c'est le gars le plus nice que j'ai jamais vu. Je m'en allais dire ça. J'en revenais pas. C'est une des plus belles personnes au monde. Comme, il est tellement cool avec les kids. Il est tellement... Tu sais, je le verrai aujourd'hui, on n'a jamais joué ensemble. Il me dirait, viens jouer une grande de golf avec moi. Exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Ça n'a pas rapport à comment il est cool, ce gars-là. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Ben, j'ai joué à Naïm. Moi, quand je suis arrivé là, j'ai... Ben oui. Moi, je regarde. Dans ma tête, j'étais comme... Hey, c'est Témo Selanne, ça n'a aucun bon sens. Première pratique, j'arrive là, il passe, il se frotte les mains. Hey, Lapi, where we go for lunch? Comme... Ouais. C'est stressant. Hey, moi, j'ai jamais joué dans la NHL. Il m'amenait pour luncher. J'étais un piment là, au camp d'entraînement pendant 4 ans. Il m'amenait luncher.
J'étais comme, what? Who's this guy? Hey, je vais compter une anecdote vite, puis Guillaume, tu vas l'aimer en tabarouette, celle-là. À un moment donné, Randy Carlisle. Il y a du vin et un bon repas, c'est ça? Oui, Randy Carlisle. C'est sûr. Randy Carlisle, qui est un autre coach à l'ancienne qui crie tout le temps, puis ça. Un DP, lui. On rentre dans la chambre, on perd la game. On était supposé avoir une journée de congé le dimanche, puis lui, il écrit au tableau demain, pratique 9h du matin. Fait que là, tout le monde est comme tabarnak. Timo Solani se lève bien relax. Il efface devant le coach. Il marque golf day. Puis no way. Comme même pas destination. Comme, that's what you want, Timo? All right, you guys fix it yourself. Ah, oh, mon Dieu, des histoires de même. C'est toute beauté. T'es assis comme gars de quatrième trio. Puis t'es comme, OK, moi, je suis supposé d'aller à l'aréna. je vais venir à 9h pareil. T'sais, un gars qui peut faire ça, un coach de même, là. Thibaut. Je pense qu'il y avait joué ensemble. Des légendes à... Ils ont joué ensemble à Winnipeg en plus, je pense. Oui. Alfredson faisait ça à Ottawa, man. Les gars disaient, on est fatigués aujourd'hui. Ah, parfait. Ils partaient, ils allaient voir Paul McLean. Ah, les gars, parfait. Day off for today. C'est comme. Non, hey, faut-tu respecter ces gars-là? On va l'essayer demain, ouais. Chez vous, gros. Moi, je l'ai essayé avec Michel, mais ça devait dans mes shorts une couple de fois. C'est bon. Hey, tantôt, tu parlais des petits problèmes de commotion. T'sais, on a parlé beaucoup avec Guillaume ouvertement. Puis tout ça, ça ressemblait à quoi tes problèmes de commotion dans ta carrière? C'est assez complexe, je te dirais. Ça a été différent. Je l'ai fait une avant de. Je vous contais que quand j'ai breaké in the NHL avec les Rangers, là, ouais. Je l'avais fait une de quand même 2 mois, juste avant. Je m'avais fait geler, mon gars, knockout, tout le kit à Manchester, je m'en souviens. Puis j'avais eu de la misère à me remettre de ça, comme j'ai fait de la petite dépression, de l'anxiété, ces choses-là. Puis c'est là que les Canadiens, c'était différent. C'était vraiment comme. Je pouvais juste pas m'en remettre, tu sais. J'étais quand même revenu trop tôt, une game à Columbus, je m'en souviens, avec les Canadiens. Ça m'a fait set it back un autre 2 semaines. Puis je pense que j'ai eu des séquelles de ça par après quand même, là. Je pense que. Quand je te dis que j'ai des moments plus difficiles en dehors de la glace, je pense que c'est sûr que ça a été relié avec ça un petit peu aussi. Là. C'est pas c'est quelque chose qui laisse des séquelles. T'sais, on n'est pas au courant exactement quelle sorte de séquelles à long terme. C'est sûr que c'est pas cool. Là. C'est sûr qu'il y a un risque dans le métier qu'on faisait. Là. Je pense que Tigui, tu vas être d'accord avec moi. Là. T'sais, moi, je pense à un gars comme Pierre-Marc Bouchard aussi, t'sais, qui a vécu ça quand même, des grosses commotions, qui a mis fin à sa carrière un peu plus tôt. T'sais, Patrice Bergeron a manqué un an de hockey, pareil, il ne faut jamais oublier ça. Sidney Crosby aussi, t'sais, les deux gros noms, pareil, là, t'sais, ça arrive. Il n'y a pas personne à l'abri de ça. C'était peur, hein, moi, ça a été le pétant de ma vie. Je te dis, à Montréal. À Montréal, deux mois que tu as manqué, ça ressemblait à quoi le 2 mois que tu as manqué, mettons? C'était. Je ne voulais juste pas être moi-même, t'sais. J'étais comme, j'avais des nausées, j'étais comme. Il fallait le temps que je sois dans le noir, j'étais comme. C'est comme une grosse dépression, là, t'sais, je te dirais. Puis, en même temps, en plus d'être déprimé et de vivre ça, je me dis, crime, je suis en train de manquer ma chance de me faire un nom à Montréal, tu sais. C'est mon rêve d'enfance, tu sais. Fait que là, t'es toujours en train d'essayer de revenir. Moi, je l'ai vécu dans la Ligue américaine juste avant de revenir avec les Rangers. Juste avant de faire mon nom, c'est là que je paniquais, tu sais. Je me dis, OK, Tortorella m'a dit qu'elle me donner une chance si je continue à bien faire, mais là, je peux pas me faire valoir. Je suis dans ma chambre en train de paniquer, tu sais. Fait que ça, c'est. T'as le stress de performance qui embarque par-dessus ça en tant que joueur de hockey. T'es comme, je suis en train de perdre ma place, je suis en train de manquer ma chance. Puis, je pense que c'est vraiment courant. Puis, je pense que c'est pour ça que ça a été. Les joueurs l'ont caché aussi longtemps, tu sais. Mmh. Ben, t'as pas le choix. T'as pas le choix, non? Moi, je serais revenu. Je suis revenu avant. Mes deux commotions, je suis revenu trop tôt. C'est aussi simple que ça. Je te parle pas de ça fait 30 ans, là, de ça, là. Ça fait 15 ans, tu sais. C'est sûr qu'il y en a encore, là. Parce que. La performance, puis réussir, puis tu sais, les coachs, puis les organisations, ils disent qu'ils sont, tu sais, oui, ils sont de plus en plus, moi je te dirais ça, ils sont de plus en plus, plus ouverts, puis plus, comme, ils ont plus le choix non plus, ils sont sous la loupe un peu, là, aussi, là, c'est out there, là. Mais oui. Moi, dans mon temps, je peux te dire, comme, je savais que je tendrais une part de ma place, là. À Montréal, surtout. Là. Déjà que j'avais de la misère à la garder, puis de me garder la tête en dehors de l'eau, ça a été. Ah, mais c'est parce que c'était vraiment. Le monde comprenait vraiment pas dans le temps. Tu sais, je pense. Je veux pas. C'est dur de mettre le blanc parce que
c'était un problème d'éducation. Je me rappelle des situations, puis je nommerai jamais l'organisation parce que je veux pas m'engager dans une bataille. Là. Mais je me rappelle, là, mettons, de m'être fait knocker, de me ramasser à genoux au banc, de rentrer, puis d'avoir le coup de vomir, puis on me donnait du Pepto-Bismol. Oh, oui, puis t'es... mal au cœur. Ah, mais c'est, pense, ouais, c'est ça la mentalité. Moi, je me rappelle, ouais, sac de glace en arrière du cou, puis du Pepto-Bismol, ça va se replacer. Voilà, en c'est... même temps, c'était pas juste l'organisation, c'était nous-mêmes qui voulaient, ouais, tu sais, sauver notre cul, sauver notre job. Il n'y a pas beaucoup de gars là, qui peuvent se dire si je prends un an de vacances, pas de vacances, mais je prends un an de congé. Non. Puis je récupère. Il n'y en a pas, là. Honnêtement, les trois noms que j'ai nommés tantôt, eux pouvaient se le permettre. Tu sais. Il y a même David Perron. C'est pas ça la réalité. Là. Ah non. Tu sais, c'est comme il y en a 20, il y en a 25 000 en dessous de toi qui veulent prendre ta job. C'est ça. Littéralement, tu sais que tu es chanceux, tu sais que tu as travaillé fort pour te rendre là. T'sais. Si tu veux vraiment une commotion de 2 mois, mais en même temps, c'est tellement sérieux. T'sais. Je vais vous poser une question de bord aux deux, puis elle est quand même sérieuse ma question. Si tu avais le choix entre garder ta santé à cause des coups à la tête ou de perdre ta place. Non, mais quand tu es dedans, Non, mais c'est ça, mais maintenant que vous êtes à l'extérieur, est-ce que tu te dis je refais ça pour qu'est-ce que j'ai vécu ou je me serais sorti maintenant? Chris, je avec du recul, tu peux mettre de prix sa santé. Là, c'est ça. C'est pas mal je pleurais entre les périodes. Quand je jouais à Ottawa, là, je pleurais entre les périodes, man. Parce que j'avais trop mal à la tête. Chris, c'était fou, là. J'allais me cacher, je pleurais, je prenais des Tylenol. Je suis pas capable de pratiquer sinon. Puis, Chris, à qui tu veux que j'en parle? Si j'en parle, c'est fini, là. J'étais déjà sur mon dernier, on s'entend, là. J'étais sur mon last stretch, là. Ouais, ah, c'est là que c'est dangereux, là. C'est quand tu sais. Quand t'es pas 7 encore. 3 ans, je pognais, là. Mais admettons qu'on va dire que c'était un whiplash. On va dire que c'est un coup. C'est pas une commotion, mal au cou. On va dire ça. Ouais. C'est comme un accident de char. On m'en sortir dans 2-3 semaines. Ouais, c'est ça. Mais Guillaume, quand tu pleurais de même, admettons, là, ça, c'était ta douleur en tes périodes, mais t'es-tu capable quand même de performer sa glace? Ben, j'avais la chienne, c'est-tu. Ouais, non, mais admettons, tu te faisais pas frapper. Non. Même à ça. Si, admettons, je m'habille dans la chambre. Ça, man. Je m'habille dans la chambre. Toi-même, dans la NHL, tu ne peux pas performer. Là. Non, impossible. Ouais, je pouvais bien aller. Là. Ma préparation était parfaite. J'étais warm-up, j'étais prêt. Là, j'étais une vision, man, d'une mise en échec. Là, c'était fini. J'étais pas capable de jouer à game. J'étais pas capable d'aller au net. J'étais pas capable de me pousser en avant des nets. J'étais. Ah non. Je veux t'entendre parler, PA. On a eu Pierre Dagenais qui est venu la semaine passée. Pas la semaine passée, mais avant qu'on prenne le break en décembre, c'est commotion. Tu vois, je pensais que c'était la semaine passée, ça fait un mois. Mais il nous parlait de son expérience en KHL. Puis je voyais que tu as joué pour le Métallurge. Lui, il nous disait genre quasiment que c'était un code secret dans des briques qui ont ouvert puis que c'était du cash qui sortait de là. Ça, pour la gang, c'est en Russie, là, dans le KHL. M'a dit de quoi, là? T'es pas loin. Moi, j'avais été là. Moi, j'allais prendre ma retraite. J'arrivais de Nashville. On avait été en finale de la Coupe Stanley. Puis, j'avais pas beaucoup joué. J'étais la quatrième ligne en l'ordre du line-up. J'avais trouvé ça vraiment tough. Puis, je me disais, OK, c'est assez. Je pense que je prends ma retraite. Là, c'est comme mon signe qui fait que c'est assez. Là. Puis là, je me disais, OK, je prends ma retraite. C'est bon, réglé. Boum, j'en parle avec ma femme. Puis là, au mois de novembre, je reçois comme un appel de mon agent qui me dit, t'attendrais-tu d'aller en Russie? Je dis non, je ne vais pas en Russie. Tu sais, quand je t'ai dit Long Island, j'ai un offre pire. Ah, c'est ça. Je vais aller à Phoenix au golf, mais pas en Russie. Fait que il me dit le montant qu'ils sont prêts à me payer pour 4 mois de hockey. Là, je fais pardon. c'est ridicule. Oui. Ouais. Puis là, il me dit. Puis là, c'est l'année que les joueurs allaient les joueurs de la Ligue nationale allaient aux Olympiques. Fait que ça allait être des gars, des équipes en Europe. T'sais. Max est allé. Ouais. Fait que je me dis, OK, c'est peut-être ma chance, mais je me suis pas entraîné de l'été. J'avais pris ma retraite. Dans ma tête, c'était réglé. Après 5 mois, je faisais plus rien. Je jouais au golf. Je prenais un petit verre de vin. J'étais comme, non, là. J'étais allé en Russie sans avoir été au gym une fois en 5 mois. Wow. OK. Je comprends. Ouais. Fait que là, j'ai décidé de prendre la décision. J'étais allé. Quand j'ai atterri là, je suis comme, qu'est-ce que je fais ici, man? Il faisait moins 1000 dehors. Tout était brun. Tout était noir. Il n'y avait personne qui parlait anglais. T'sais, on dirait qu'ils font un effort de ne pas parler anglais. Tu arrives là, c'est comme sur une autre planète complètement. C'est comme si j'avais atterri sur Mars. Je me souviens, j'étais traumatisé pendant une semaine quand je suis arrivé là. Ah ouais, hein? Ah ouais. T'es déjà allé?
Moi non. J'étais ben transition pour aller justement aux Olympiques, puis mettons qu'il n'avait pas trop été sympathique à l'aéroport. Non, hey, c'est là, j'arrive là, le gars vient me chercher de l'équipe, parle pas un mot anglais, tu sais. Fait que là, tu sais, c'est difficile de communiquer par signe, là, en 2018, pareil. Non. Puis il me drop dans un hôtel, il me dit pas quoi, rien. J'ai aucune idée qui vient me chercher, où est-ce que je m'en vais le lendemain. Je sais que je suis couché en Russie, pas de Wi-Fi. Ça a duré 48 heures. Quand t'atterris là-bas, ça fait assez longtemps, tu regardes le gars, il comprend pas, puis il dit... J'ai fait, je veux du McDo. Puis là, ça a été l'enfer. Finalement, après 48 heures... J'avais pas reconnu la chanson aussi. Non. Fait que là, après 48 heures, ils sont venus me chercher, ils m'ont emmené dans l'équipe. Il y avait Francis Paré qui était là. Ouais, ben oui. C'est un gars qui a fait une belle carrière. Lui. Ben oui, super belle carrière en Russie. Lui, je lève mon chapeau. Lui, il mérite plus de crédit que n'importe quel Québécois qui a joué au hockey. Il est là, ça fait longtemps. Là. Mais non, mais faire une carrière en Russie, là, c'est... J'ai du respect pour ça, les boys. Là. C'est la coupe incroyable. À Gagarin. Ah, c'est pas évident. T'sais, la bouffe, c'est pas mangeable. En plus, j'avais un coach qui parlait pas anglais. Puis tout ce qu'il faisait, c'était crier. Ça commençait à être lourd un peu là, après deux, trois semaines. Là. Ça a été quoi ta pire histoire là-bas, la pire affaire que tu as vue? Parce que j'en entends, là, admettons, je vais donner un exemple vite. Là. Il y a une équipe, un joueur que son hôtel a passé au feu sa route. Puis que les médecins ils ont juste ressorti tout le monde après le feu, puis ils ont tous couché dans la même chambre, ils ont donné des pilules pour la fumée, pour pas que ça affecte leurs poumons, puis on se voit demain. Puis honnêtement, c'est vraiment pas loin de la vérité, l'histoire que t'entends. Là. Ouais. C'est vraiment ridicule. Là. Le bien-être des joueurs, puis le bien-être de l'être humain n'est pas pris en considération, mettons, souvent. C'est vraiment comme. C'est la Russie, c'est ça que c'est. On se tient dans quoi qu'on embarque quand on s'en va là aussi, il faut l'accepter. Moi, j'étais prêt à faire un 3-4 mois, là, je me l'avais dit dans ma tête, mais j'avais pas fait plus. Là. Mais au moins, Max, ça m'a donné la chance de jouer avec toi à Spengler Cup cette année-là. Ça conclut bien une carrière, ça, pareil. Honnêtement, c'était super cool parce que... Moi, je reviens dans deux minutes. C'est en toilette, m'excuse. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Ben non, tu disais Tavares, McKinnon, Lapierre, que tu peux continuer. Oh, ouais, je t'ai mis là-dedans. Si je t'ai pogné avec toi, j'étais vraiment en fin de carrière, on fait le joint avec toi. C'est là que tu dis quoi? Je retourne à la maison. Non, il est temps que je les accroche, là. Non, mais c'était cool, on a eu du fun pareil. Là. Ah non, c'était écœurant, ça. C'était écœurant, cette expérience-là. Même, le Hockey Canada, ils font bien ça pareil. Là. Non, c'est débile. Puis même, honnêtement, pour les partisans, moi, j'ai un chum qui est venu d'aller à Spengler Cup, ça devrait être sa bucket list. Il y a beaucoup de gens qui me le disent aussi. L'expérience là-bas, c'est malade. Là. C'est malade. Mais honnêtement, n'importe. Il y a beaucoup de joueurs qui. Moi, je suis tellement content d'avoir fini ma carrière comme ça. Ça a tellement mis un bon. Un petit ruban sur le top, là. Il y a de la joie là-bas. Il y a de la joie, les familles sont bien traitées, c'est tellement cool. Là, pour vrai, c'est un tournoi compétitif pareil. Là, on avait mangé une volée par les Tchèques la première game, on était comme « Oh boy, OK! » Non, mais c'est ça, mais ça, tu peux en parler parce que le monde, ils ne comprennent jamais. Tu sais, comme là, on parle tout, envoyons notre équipe junior aux Olympiques. Tu sais, le monde, il parle de ça. Tu l'as vu, là, le calibre de jeu, là, c'est bon, là. Ben non, c'est certain. Les Européens, tu sais, c'est des bonnes ligues, là. C'est des pros et c'est des adultes. L'équipe junior pourrait pas aller aux Olympiques. Là. Non, mais ça a été suggéré à cause du pro. Ça prend quand même de l'expérience professionnelle, là, tu sais. Je te l'ai dit tantôt, ça m'a pris 2-3 ans. Ça a pris du temps, là, mais tu sais, c'est 2-3 ans de hockey professionnel avant de comprendre la game, là, pour vrai, là. Tu sais, dans la majorité des cas, là. Avant ça, à moins que tu sois un gars comme Power, là, lui, man, il était amazing. Il y en a des cas comme ça, mais ça pousse pas dans les arbres. Là, mais non, mais tu sais, admettons, tu prends l'équipe Canada junior cette année, tu les envoies aux Olympiques, tu es fait jouer contre les Russes. Pas de chance. Mais non, mais tu es fait jouer contre n'importe qui, ils n'ont aucune chance. Ouais, c'est ça, je pense. Je suis content de me faire confirmer non, ça. Non, ça prend de l'expérience professionnelle avant de jouer à ce niveau-là. Là. C'est pas. C'est juste les Suisses. Et les ligues en Europe, c'est tellement c'est fort. Là. Qu'est-ce que tu as joué en Suisse pendant combien de temps? Tu as 3 ans? 5 ans. 5 ans, pareil. Hein? Ah ouais. Wow. Champion marqueur d'une série la dernière année, mais on peut passer à un autre sujet. Ça montre, ça montre le calibre pareil. Hein? Hey, non, mais Max, hey, en une saison, t'as enlevé toute la crédibilité à la Swiss League. Mais Max, c'est sûr, c'est parce que le monde avait la chienne de lui. C'est sûr, c'est ça. Là-bas, ça frappe pas, il n'y a rien, man. Il devait c'est sûr, c'est le tough guy, lui.
Il était toujours au prick là-bas. J'étais Lucic de la Ligue suisse. On la connaît sa game. Oui. Mais non, mais hey, je vais pas. Sérieusement, en Suisse, j'allais devant le net. Quelqu'un m'a regardé. Puis je dis, pourquoi tu m'as regardé? Puis t'es comme oui. Ah, mais tu m'avais dit ça quand on avait joué ensemble à Spengler Cup. C'était dit, fais-moi nom de la. Je t'avais dit, fais-moi nom de la place de même un peu. Wow. Ça a fait. Ça a marché. Ça a marché. Ça a marché une game. Je me souviens, à ma dinette, on a envoyé chier un Suédois, mon gars. Il était comme moi. Je me sentais tough, là. C'était bien. Hey, on passe à un segment qu'on appelle On se vide le sac. C'est quelques petites questions. T'en choisis une dans la gang. On en a trois sections. Puis tu réponds à t'es une ça. Section, ça va être... T'es une section On se vide le sac, toi. Hein? Ouais, c'est ça. Ben, la poche bleue, on se fait de la salle. On se trouvait bien drôle le soir, on a brainstormé. On a Guillaume, une de bien d'accord. Guillaume, deux cerveaux. Guillaume, sa section. Ça... la section Guillaume, c'est une minute. La mienne, c'est 20 minutes. Okay, c'est bon. On se fait de la salle. Je comprends pas pourquoi, Maxime, là. Peux-tu m'expliquer pourquoi, moi, c'est une minute? Je comprends pas, Max. OK, dans la vie privée, anecdote d'une date, meilleure rencontre, un moment embarrassant ou un crush secret? Tu veux que j'en choisisse une là-dedans? Une là-dedans. Oui, oh, juste une. Ta meilleure une histoire. Une là-dedans, hein? Je ne sais pas pourquoi j'ai un feeling, j'aimerais ça t'entendre sur anecdote d'une date. Je peux pas aller là. Hey, tout le monde veut PA comme collabo, là, qui disent « c'est bon, ça ». Comment ça? Il t'aime, le monde, il t'aime, PA. Ouais. Ben le monde t'aime sur le chat. Un crush à part ta secret. Chemise, là. Un crush secret. Mais je l'ai mis pour toi, Tigui. Critique ta chemise, il y a deux, trois personnes qui critiquent, mais gars. Non, Guillaume, je savais que t'étais un fermier de Delson. Non, non, il y a... Bon, hey, le gars de Butch... PA, il veut pas le dire, il a mis sa chemise pour aller couper sa bûche avant de la mettre dans le foyer. Ah ouais, Chris, j'habite à Chediac, à ce temps, les mois, j'ai changé. J'ai hâte d'être invité. Moi. Ça a l'air de fun, ça. Wow. Ouais, c'est quoi, j'ai pris un crush secret? Ouais, je pense que c'est un crush secret. On sait plus, là. Oui, un crush secret. Hey, en passant, PA, ici, t'as pas l'option de prendre le 50-50, d'appeler un ami ou prendre l'audience. Ah. Bon. Oh. Oh mon Dieu, je pourrais tellement être drôle en ce moment. Ah, je pense que je vais le faire. Shoot it. Annie Villeneuve. Just kidding, Tiggy, just kidding. Quel est-ce que tu as? Malaise! Non, mais en plus, il a joué pour les sags, tu sais, ça fait. J'aime beaucoup ce podcast. Ce soir. Oh, j'ai fait mon temps dans le Saguenay. Ben justement, quelqu'un de famille de pension qui nous a écrit, qui était content que tu sois là, qui te saluait. Oui, mon messager sur Facebook aujourd'hui, vraiment cool. Ah, ça, ils nous ont écrit, nous autres aussi, pour dire qu'elle allait écouter, fait qu'on les salue. Mais tout le monde trouve ta joke très drôle, fait qu'on va passer à l'autre section. Good. Non, c'est pas fini. On veut l'entendre. Bon, voyage. Meilleure anecdote de voyage, meilleur souper, plus gros événement sportif ou ton foursome de golf de rêve? Je vais prendre le plus gros événement sportif que j'ai vécu. Halifax 2003, Team Canada. Arrête de rire, Max, c'est pas drôle, ça joke. Max, il capote. Puis mon foursome de golf idéal. Je sais pas. Tiger. Non, mais c'est pour avoir du fun, pas pour gagner. Là. On veut ça. Là, c'est... D'après moi, il y aurait du fun, justement. Si t'as trois versions. C'est mon événement sportif préféré, ça a été 2003 à Halifax. À ce jour, ma plus belle expérience à la vie. Ça, c'est championnat junior. Championnat junior mondial en 2003. Ouais. Là, ça a l'air que quand vous avez compté ce fameux but, le building, ça shakeait pour vrai, là. Ben, quel fameux but? Parce qu'on a perdu en finale. Non, ils ont perdu quand Flower, c'est ça? Non, Flower, c'est l'année d'après. Non, mais c'est quoi le gros goal qui s'est compté dans ce tournoi-là, puis il disait, oh, à moins que ce n'est pas votre année à vous autres, mais ça a l'air que la région, mais c'est à Halifax. C'est pas arrivé souvent à Halifax, right?
Ouais, mais moi, tout ce que je me souviens, c'est Jordan Tutu qui ramassait tous les Tchèques et les Slovaques. C'est ça, peur lui-même. Hein? Ah, lui, là. On était sur le banc, on était dans son équipe, on avait peur. Quand t'allais à Nashville, man, c'était pas drôle. Là. Ouais. Non, c'était vraiment cool, ça. J'ai eu la chance de jouer avec Butch, avec Karen Bouchard aussi. Lui, il avait fait l'équipe à 18 ans avec le Wild. Ouais. Puis, ça m'avait... Moi, je n'étais pas supposé de jouer pour Team Canada cette année-là, mais j'avais forcé la main un peu. À 19 ans, je pense qu'à Noël, je venais la GMQ par genre une dizaine de points. Puis ils m'ont évité finalement. Puis ma connexion avec Pierre-Marc faisait que j'étais petit, peut-être un bon candidat pour faire l'équipe là, par la bande, un peu par l'arrière. Puis ça avait bien tourné. Puis j'ai fait l'équipe, Pierre-Marc est revenu. On avait joué ensemble, c'est la même ligne. C'était vraiment cool ça. Ah non, il est tellement talentueux, Pierre-Marc. Ben, c'est le meilleur joueur junior que moi j'ai vu. Là. Ah ouais, comme c'est... à 17 ans, là, c'est une des belles saisons que j'ai vues. Vous autres, vous jouez ensemble à Chicoutimi, c'est ça? Ouais, lui avait 17, moi j'avais 18 notre deuxième année. Ouais. C'est du joueur de hockey dans la même équipe. Ouais. Là. Sérieux, ouais, junior. Là, lui, c'est spécial. Là. Ah non, c'était un élément. Dans ces années-là, les années qu'il a commencé à 135 livres de faire une Ligue nationale à 18 ans, là. Ah non, ça n'a pas de bon sens. T'as quelque chose, là. Faut que tu te remarques, t'as gros, un bâton de popsicle, là. C'était tout du hockey IQ, là. Ah, yeah, c'était un. C'était, ben, tu sais, je veux. Juste ça. C'est une grosse comparaison, mais c'est un petit peu un style Gretzky, là. Ben, sérieusement. C'était un mini Wayne Gretzky, là, dans son temps. C'est ça que c'était. Ouais. Moins de cheveux, mais ouais. Ouais. On va y dire ça. On va y dire live, inquiète-toi pas. Mais on te remercie, mon chum, d'être venu. Puis on remet ça. On remet ça, c'était le fun. On remet ça. Ouais, je les boys, c'est vraiment le monde capable de chat. Le monde sont vraiment contents. Puis nous autres, si on l'apprécie énormément. Bonne chance des prochains projets. Puis j'espère que la bûche, elle va durer longtemps. Vraiment, il reste une petite demi-heure. un petit verre de vino encore. Hein? All right. Salut. Salut, Pierre. Thank you. Bye bye. Ciao, bye bye.